Good morgen, allez, il est ce aujourd'hui le Nishmat Chaya Esther bat Miriam et l'Irfuat. Olivier Israël Shimon ben Chaya Esther, Khamshat Miriam bat Roselena, Binyamin ben Chabiba. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, qui est 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Shabbat, Parikut Chet, Mishnah Gemel. En meyaldin et abehema be yom tov, aval mesa'adin. Ou meyaldin et aisha be Shabbat, me korinela chachama mi makom le makom, ou mechalelin alea et ha Shabbat. וקושרין את הטבור, רבי יוסי אומר, אף חותכין, וכל צורכי מילה עושין בשבת. On commence à traduire directement, c'est un peu en rapport avec la Mishnah présente, on va parler des animaux, des entretiens des animaux, de l'entretien des animaux, et la Mishnah me dit, en meyaldin et abehema beyom tov, on ne fera pas mettre bas à un animal, on ne fera pas accoucher un animal, à yom tov, et aval, mesa'adin, mais on pourra malgré tout le soutenir littéralement, c'est-à-dire en fait, apparemment, lorsqu'une vache ou une brebis met bas, alors ça peut alléger peut-être à l'animal, je ne sais pas exactement, d'aller le tirer. Je crois que j'ai vu une photo d'un ami, qui est un père qui a des troupeaux, et qui m'avait montré que comment il tire le Vlad pendant. Il tire le Vlad le petit pendant qu'il le veau pendant qu'il accouche. Je ne sais pas exactement. Apparemment, l'animal il peut se débrouiller sans, mais c'est plus pratique de le faire. Mais ça nécessite de gros efforts pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, et Chachamim ont dit, bah, tu sais quoi, pendant Shabbat, tu ne le fais pas. Tu as juste le droit d'être messadine, de le soutenir, c'est-à-dire tu retiens le petit pour qu'il ne tombe pas par terre, tu l'attrapes. D'accord? Maintenant, on met Yaldin et Aisha be Shabbat, et on a le droit aussi de faire accoucher, pas mettre bas cette fois-ci, une femme à Shabbat, on a le droit de la faire accoucher, même s'il y a plein d'interdits qu'on va transgresser, parce que c'est évidemment du piquoir nefesh, il faut la sauver, quoi, qu'elle va, sinon elle peut, si elle n'est pas bien incisée, elle peut, ça peut mal tourner. Donc on peut faire accoucher une femme à Shabbat, et mieux que ça même, Vekorin la chachama mi makom le makom, et on pourra même faire venir une chachama, une sage femme, mi makom le makom, d'un endroit à un autre, c'est-à-dire même si un interdit de Troumine, on a l'occasion de découvrir dans les Rouvines, puisqu'on a le droit de sortir à Shabbat, on n'a pas le droit de quitter la ville pendant Shabbat, mais pour faire accoucher une vache, une femme, excusez-moi, pour faire accoucher une femme, on a le droit de partir chercher une sage-femme depuis l'extérieur de la ville. Entre parenthèses, quelque chose de très joli. C'est les enfants qui m'avaient dit cette fois, j'avais kiffé, j'avais apprécié énormément. Que regardez, je ne sais pas pourquoi, la femme qui fait accoucher, on l'appelle une sage-femme, en français, même aussi pour le, en hébreu aussi, on l'appelle une chachama, une femme qui est intelligente. Et les enfants m'avaient dit une fois, que pourquoi on appelle une sage-femme une femme qui fait accoucher un nolad, un enfant qui s'est accouché, c'est un nolad, parce que Ezeu Chacham, Aroet un nolad. C'est qui est Chacham? Celui qui voit, c'est le Mishnah de Pirkei Avot, celui qui voit la conséquence de ses actes. Aroet un nolad, celui qui voit le petit qui vient de naître. Ça, c'était pour le jeu de mots. Et on continue. Ou Mechalelin Aleyat Shabbat, et même pour la femme en couche, elle, on a le droit aussi d'être Mechalel le Shabbat, on a le droit de transgresser le Shabbat. On va préciser, peut-être qu'on le fait tout de suite. Ouais. Non, je finis la phrase. Vekoshon et Tabour, et on attachera le cordon ombilical, on expliquera ensuite exactement. Pour le moment, je reste sur le Mechalelin Aleyat Shabbat, on aura transgressé le Shabbat. Le Bar Tanoura nous rapporte, il fait une synthèse de la Gemara, qui a trois périodes. Il y a durant le moment où elle, Yoshevet à la Majber, où elle commence à accoucher, soit depuis le moment où elle commence à perdre du sang, pas les os, le sang. Dès qu'il va y avoir du sang qui commence à couler, eh bien, ça s'appelle qu'elle est, elle a déjà commencé à être en couche. Et alors, pendant la première fois, c'est pendant les 3 jours. Même si elle dit, non, c'est pas la peine d'être Mechalel le Shabbat. Par exemple, il fait un peu froid, on veut lui réchauffer quelque chose. Elle dit, c'est pas la peine d'être Mechalel, on transgresse malgré tout. Contre ce, même si elle nous dit que c'est pas nécessaire. D'accord? Ensuite, ça c'est la première période. Deuxième période, c'est de 3 à 7 jours. Alors là, on transgresse le Shabbat que si elle réclame. C'est-à-dire, si elle dit, j'ai un peu froid aujourd'hui, c'est Shabbat, il faut faire chauffer maintenant la maison, on a le droit de faire chauffer. Ça c'est de 3 à 7 jours. Par contre, au-delà des 7 jours, elle est faible. La femme en couche, elle est faible. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les femmes en couche, elles sont plus fortes à notre époque, peut-être parce qu'elles sont entretenues à l'hôpital, mais concrètement, elle a un corps faible. Dans plein de halakhot, on le regarde, même pour les lois des jeunes, jusqu'à même pendant 24 mois, elles sont dispensées de jeûner dans la plupart des jeunes, alors que concrètement, dans notre époque, après 2 mois, 3 mois, les femmes retravaillent, elles sont en pleine forme. Je ne sais pas quelle est la différence. Et en tout cas, il y a la Gemara, elle appelle ça Evarea Mitparkin. Pendant qu'elle accouche, il y a ses membres qui subissent des chocs. Et après les 7 à 30 jours, alors cette fois-ci, on ne transgresse plus le Shabbat, mais par contre, on peut faire quelque chose, parce qu'elle n'est plus en danger, mais on pourra lui faire transgresser le Shabbat avec un goy. On avait déjà évoqué qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec un goy. Mais là, spécifiquement pour la femme qui a accouché, pendant les 30 jours,
C'est comme un chole she'en bo sakana, un malade qui n'a pas de danger de mourir, qu'on pourra transgresser facilement, à faire, demander à un goy de faire différents travaux, même lui demander clairement de le faire. D'accord? Donc on a trois périodes. Depuis le moment où le sang commence à coller dur, on a trois jours, même si elle dit non, on transgresse le Shabbat si on estime qu'il y a nécessité. De 3 à 7, c'est que si elle réclame, et au-delà de 7, que par l'intermédiaire d'un goy. Maintenant, on passe sur la fin de la Mishnah, où il y a écrit, on avait coché un tatabour. Une fois qu'elle accouche, on attache le cordon ombilical du petit. Si vous faites attention, on ne le coupe pas. C'est qui nous permet de le couper? Rabbi Yossi Omer, Afrotrim. Rabbi Yossi Omer dit, on pourra même le couper. Et en fait, c'est un problème qu'on a expliqué cette Mishnah, parce que, d'abord je vais vous expliquer. Le premier rabbi nous dit, tu ne coupes pas le cordon. Il y a un problème de couper le cordon, mais juste tu lui fais un nœud, et t'attends gentiment la fin de Shabbat, c'est une histoire de 3 heures, il va pas mourir, tu laisses le placenta à côté, et puis tu laisses le petit avec le cordon noué, mais pas coupé. Parce qu'il y a un problème de le couper, et Rabbi aussi permet de le couper. La question c'est quoi cette machloket exactement? C'est assez mal expliqué, une machloket dans l'alakha, dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed, dans Seif Zayin, le Mishnah Berurah, là-bas il rapporte deux avis. Le Magen Avraham dit qu'il n'y a pas d'interdit minatora, et tandis qu'il rapporte, au nom de je ne sais plus quel livre, qu'il nous dit qu'il y a oui un interdit minatora de couper le cordon, un interdit de gozès, en rapport avec Perek Yud, Mishnah Vav, où là-bas il y avait un interdit de gozès, de couper de tout ce qu'on n'a pas le droit de couper, un ongle, on n'a pas le droit de couper de la peau qui dépasse, on n'a pas le droit de couper aussi le cordon ombilical. Minatora, il y a un problème. Malgré tout, dans ce cas-là, ça change l'allure, mais c'est pas précisé pourquoi. C'est quoi la marloquette? Nakamé a dit c'est pas nécessaire de le couper, puisque tu n'es pas obligé de le faire et qu'il y a un interdit minatora, alors ne le fais pas. Et Rabbi aussi te dit fais-le malgré tout, pourquoi? Peut-être que, je sais pas, peut-être ça peut s'infecter, je sais pas. Probablement, c'est la raison. Rabbi aussi il craint qu'éventuellement, écoute, on t'a permis de. Je sais pas exactement. On t'a permis de faire accoucher, de transgresser plein. Fais celui-là en plus et épargne l'éventuel danger, même. J'ai pas d'éléments, je peux juste vous dire ce que j'ai vu écrit un petit peu dans Tifat Israël, dans le Tifat Yaakov ici. Et dans le Mishnah Berurah, c'est pas précisé davantage. Et voilà. Et la Mishnah conclut en me disant Ver kol tzorke mila au sin be Shabbat, on peut faire tout le nécessaire pour le Brit Mila pendant Shabbat. Et c'est pas la peine de préciser parce que le prochain Perek, ça va être spécifiquement sur le Brit Mila pendant Shabbat, tout le Perek Yud Tet. Et dans tous les détails, ça va même être l'occasion de découvrir aussi la halakhot de Brit Mila, dans bien quelques halakhot du Brit Mila. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.